Good morning, allez Yiden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmatava Mordechai Ben Yitzhak Befani, ainsi que l'Irfoua Taravor Shmuel Ben Léa et les Léa Bat Elisheva Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dire une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes. Éternel, nous étudions Maserhet Moed Katan Perik Bet, Mishnah Gimel, Machnis Adam Perotav, Mipenei Aganavim, Vesholé Pishtano Mina Mishra, Bishvil Shelotovad, Bilvad Jolé Chaven et Menachto Bamoed. On continue à découvrir les travaux permis pendant Chol HaMoed, et selon le principe, éviter des pertes. C'est le premier élément de base, dès qu'il y a une perte qui n'était pas prévisible, comme ça va être précisé à la fin de la Mishnah, une perte, une risque de perte d'argent, tu as le droit de travailler en Chol HaMoed pour éviter ta perte. En général, on n'aura pas le droit de travailler pour du gain. Ouais, dans mon cas, on aura peut-être des détails que parfois oui, pour quelqu'un qui a besoin de quoi manger, c'est du gain que c'est permis, mais pour avoir t'as l'occasion de faire un petit coup de travail et tu touches un pactole, non, ça ne s'appelle pas Dvar Aved. Un manque à gagner, c'est pas un Dvar Aved, c'est pas quelque chose qui est une perte. Mais par contre, si tu as une perte de quelque chose, là, on aura le droit de travailler, et selon ce principe, Machnis Adam Perotav Mipnei Aganavim, il a le droit de faire rentrer ses fruits à cause des voleurs. Soit, il avait laissé, comme c'était à l'époque, laisser sécher les récoltes dans les champs, par exemple, et puis d'un coup, on leur a fait savoir qu'il y a des voleurs qui traînent, qui peuvent voler les récoltes. Eh bien, pendant Chol HaMoed, il a le droit de partir vite, de le ramasser, de tous les engranger très vite, pour ne pas qu'il se fasse voler. C'est pour éviter une perte. Vesholé pishtano mea mishra bijoulé shalotobad. Ou encore, s'il avait son pishtan, son lin, qui était dans la mishra, alors c'était pour blanchir le lin, je crois que c'était le avant de le teindre, je crois que c'était, je sais pas dans les comment ça se fabrique, mais il fallait le tremper dans un bain, avec dedans il y avait de la chaux, et c'était un bain chaud aussi, et puis maintenant, si tu laisses trop longtemps, ça crame. Alors la Mishnah m'a dit, ben, si toutefois, tu as ton lin qui est resté trempé dans l'eau, et qu'il risque maintenant de se brûler, de s'abîmer, alors tu as le droit de le sortir, même si c'est un travail que demande beaucoup d'heures de travail et d'investissement, tu as le droit de le faire parce que tu évites une perte. Tout ça, c'est bijul chez l'autovad pour ne pas qu'il soit perdu complètement. Ou bilvad chez l'eau, yechaven et melarto bamoued. Mais tout ça, ce n'est qu'à condition qu'il ne va pas faire exprès de faire ce travail pendant Chol HaMoed. Parce que si tu t'es dit avant Pessah, oh j'ai trop de travail à faire devant moi, je dois faire tout le ménage de ma maison, je dois... Je sortirai le pishtan là de quand on sera pendant Chol HaMoed. S'il a fait ça, avec Kulanim Kivnu Melartan Bamoed, tous ceux qui ont fait exprès de laisser le travail pour le faire pendant Chol HaMoed, eh ben dans ce cas-là, Yovedou, il devra le laisser perdre. Pire que ça, le Bet Din va envoyer un chaliar qui va le détruire. Ouais, on va le rendre, plus précisément, on va le rendre FKR, on va aller prendre son. Ils ont son lin, le Bet Din, si là tu veux ton travail, on va travailler à ta place. On va ramasser nous le lin. On va le mettre dehors, on va dire, c'est celui qui veut, il vient le prendre. Comme ça, la prochaine fois, tu lui feras d'autant plus attention à ne pas arriver dans des situations pareilles, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.